Caméra 1, est-ce que Mike, ça marche? Mike Trout, ça fonctionne. Mike Trout ou Mike Trout? C'est Trout, c'est Tweet. Caméra 2, est-ce que on est bon. Antonio, ça marche? On est bon. Le son est bon. J'espère au moment où je tourne cette vidéo numéro 2 que le concept numéro 1 qui est donc sur ma chaîne Bastoc, ça vous a plu. On se retrouve aujourd'hui du coup avec Mike et Tonio, idem pour deux autres sujets très intéressants. Comme d'habitude. Je vais laisser un petit peu Tony présenter tout ça parce que c'est sur sa chaîne et il sera mieux placé que moi pour en parler. C'était pas prévu ça. Eh bien les amis, aujourd'hui on se retrouve avec deux beaux gosses. Ouais, merci Tonio. Trois beaux gosses. Est-ce qu'on qualifie de beaux gosses d'avoir les oreilles rouges? Ouais, c'est normal. Oui, si, ça marche, bon, ça marche. Bon, on arrête de plaisanter s'il vous plaît. Très sérieux. Alors aujourd'hui on va aborder deux thèmes les amis. Donc le premier, il va de soi et il va être dans l'actualité du jour, c'est la stratégie de pêche à adopter pour cette ouverture truite 2023. Donc ça tombe bien parce qu'ici on a un petit peu des spécialistes, hein. On a nos techniques de préférence, on peut dire. Ouais. Voilà, on a, c'est vrai. Moi peut-être un peu plus de polyvalence, mais voilà, encore une fois, tout en modestie, il n'y a pas de... partage, c'est du partage. C'est du partage, c'est de la passion, c'est vrai, c'est vrai. Donc premier thème déjà, voilà, la stratégie de pêche pour l'ouverture truite 2023. Et puis on voulait également aborder un autre thème qui est important également, qu'on voit de plus en plus hein, dans... dans l'actualité, c'est justement le fait d'aller un petit peu à l'étranger, toujours pour pouvoir pêcher la truite. C'est vrai. Parce que c'est vrai que voilà, on va débattre un petit peu là-dessus, mais ouais. En France, bon, il y a des choses à redire aussi. Ouais. Et c'est vrai que quand on voit un petit peu des photos ou des retours d'expérience, c'est très légitime qu'on ait envie aussi de s'expatrier, d'aller un petit peu voir ce qu'il y a ailleurs. On va commencer avec le premier thème, allez-y. On est chaud. On est chaud. Let's go. Bah, on est chaud. Let's go. Bam, premier thème du coup, stratégie de pêche. Donc là, je suis avec, comme je disais, Bastoc, vous le connaissez. Mike Stroud, vous le connaissez aussi, bien évidemment. Alors Bastoc, ta stratégie de... Attends, je la refais. Alors Bastoc, ta stratégie de pêche pour l'ouverture tweet 2023. Alors, simple, on va rester... cuillère, du coup. Dans ce que je fais. Non, arrête, non. Non, pas cuillère. Un petit peu plus tard, on fera du leurre et un peu de cuillère, vu que ma chaîne évolue. Mais non, on va partir sur du toc, sur de la pas naturelle. Les eaux seront très, très fraîches. Mais là, c'est parti pour, je pense, une ouverture avec des niveaux qui seront bas, mais des eaux très froides, translucides. Donc, ça va être très compliqué. Les poissons vont être un peu en léthargie. Donc, il va falloir qu'on aille les chercher dans leur zone de chasse. Ils ne vont pas se déplacer beaucoup. Ça, c'est clair et net. Donc, ça sera le toc. On peut peut-être dire notre ouverture ou... Où est-ce qu'on l'a fait? On peut partager. Sans tabou. Brièvement, voilà, entre... Mike fait ailleurs, mais nous, avec Tony, on part en Haute-Savoie. Et toi, Mike? En fait, on est trois à aller à l'ouverture, mon frangin, moi, et puis un super pote. On aime bien passer du bon temps au bord de la rivière. C'est où? Ça se passera donc dans la Seille. C'est connu, ouais. Et comme je dis à chaque fois, on a le casse-croûte à 10h, on passe un bon moment. Oh, trop bien. Il y a pas mal de truites remises ce jour-là. C'est un petit peu le côté folklorique de la pêche de l'ouverture. Il risque d'avoir beaucoup de monde, sachant qu'on sait que c'est plus sélectif de prendre de la truite sauvage. Oui, mais chacun son voilà. Délire, en fait, c'est ça. Chacun son ouverture. Chacun son ouverture. Ben moi, je vais pas changer une équipe qui... Non, du coup, je t'introduis. Enfin, vas-y. Alors là, on a eu le point de vue de Bastoc. Voilà, on l'a compris, pêche au toc, hein, à pas naturel, on va pas le changer là-dessus, hein, ça va être compliqué hein, qu'il passe à une autre technique. On a également un autre spécialiste, hein, Mike Stroud. Ta technique pour l'ouverture truite 2023, tu vas partir sur quoi plutôt? Je vais quand même rester sur la cuillère au début, ça c'est sûr. Moi, je pense que c'est bien pour faire un capot, ça. Eh ben, pas sur les truites remises, figure-toi. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, donc tu vois, mauvaise pioche. Mais voilà, je pense que je partirai à la cuillère avec ma Vibrax. Et puis par contre, je vais partir aussi sur des leurres dures. Très bien. Et que j'ai parlé d'ailleurs sur mes vidéos antérieures, oui. Que j'ai mis un petit peu en avant. Oui. Encore une dédicace à toi, Axel. Oui. Enfin, voilà. Ouais, et puis n'hésitez pas à aller les voir. Hein. Même que ce soit Tony ou Mike, on essaye de faire un peu des vidéos matérielles. Petit coup de pub rapide. Voilà, petit coup de pub rapide, c'est ça. Tony, du coup, explique-nous un petit peu. C'est vrai. Moi, j'ai toujours été très leurre pour la pêche à la truite. C'est ma technique favorite. Après, c'est vrai que j'ai eu diverses rencontres. Notamment celle de Bastoc, hein, qui m'ont fait vite comprendre que la pêche au toc, à la pas naturelle, était aussi très efficace. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que du coup, moi, je suis un peu entre les deux, où c'est vrai que pour l'ouverture, j'ai pu constater quand même que le toc, pour moi, était quand même un cran au-dessus de la pêche au leurre.
Mais c'est ça. Donc c'est vrai que je pense que vu qu'on y va deux jours, ouais. Je ferai peut-être un samedi au TOC et puis un dimanche au leurre. Voilà, pour un peu diversifier. On se fera certainement, peut-être on verra l'activité des poissons, mais si jamais c'est compliqué le samedi, on ira peut-être sur un petit ruisseau en affluent le dimanche et là tu pourras être en UL. Exactement. Donc voilà ma stratégie de pêche pour 2023. Ouais. Donc même vous, n'hésitez pas en commentaire à nous dire un petit peu la stratégie de pêche pour cette ouverture truite. Hein. Il y en a même qui pêchent à la mouche à l'ouverture. Ouais. Alors ça m'impressionne toujours. Hein. Franchement, si vous arrivez à faire du poisson, mais j'y connais rien du tout. Par rapport au niveau des eaux, tout, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Oui. Mais il y en a qui sont vraiment amoureux, qui ont envie de pêcher à la mouche. Peut-être Tanguy fera une ouverture à la mouche. Tanguy, tu nous dis un peu. On attend les belles photos. Il m'a fait une belle boîte à mouche d'ailleurs, hein, notre ami Tanguy. Hein. Voilà, on va tous s'adapter un petit peu à cette ouverture qui va être un peu spéciale. Parce que moi, je vous cache pas que j'aime bien pêcher quand il y a des niveaux qui sont un peu hauts quand même, hein, au TOC. Même à la cuillère, même au leurre, là, c'est beaucoup trop bas. C'est beaucoup trop bas. On tourne ça, on est le 11 février, on va croiser les doigts. Parce que sinon, l'année va être compliquée. Mais voilà, on y est bientôt. Pouce bleu, abonnement, commentaire, on balance tout. Hein. Et on passe sur le deuxième sujet. Ouais. Deuxième sujet, donc là, on va parler un petit peu... On va parler un petit peu plus voyage de pêche à l'étranger, centré sur la truite, encore une fois. On sait qu'il y a certaines destinations où on a également des belles truites à pêcher, et notamment deux destinations qui me viennent en tête. Il y a l'Espagne, déjà, de 1. Donc, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, Bastoc, Mika. Pas vraiment en image. C'est vrai. Cicolure. Enfin, moi, je sais que la dernière vidéo que j'ai vue en rapport avec l'Espagne, c'était Cicolure et j'ai trouvé ça intéressant. Ils ont quand même de très, très beaux poissons. Tu voulais réagir sur quelque chose, Bastoc? Oui, j'avais une personne sur les réseaux qui m'avait dit que c'est vrai qu'en Espagne, ça ferme, mais là, en janvier, il était en train de pêcher la truite. Donc, c'est des destinations... qui sont peut-être intéressantes quand la fermeture de la truite a lieu en France. C'est ça, vraiment pour les amoureux, pour ceux qui veulent continuer à pêcher la truite. Vrais addicts. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une région, voilà, le nord-est de l'Espagne, la Catalogne, où c'est vraiment une région à privilégier pour pêcher la truite. Alors, il y a une réglementation qui est totalement différente qu'en France, où c'est vraiment tant de pêcheurs par tronçon, là où en France, finalement, on n'est pas limité par jour. Et ça, c'est quand même intéressant. Peut-être que nous, en France, on peut s'inspirer un petit peu pour limiter la pression de pêche, etc., sur les journées. Donc, puis effectivement, comme on l'a dit, il y a on a des poissons trophées, on a des belles truites dorées de 50, 60, voire plus. Donc, c'est vrai que ça peut faire rêver un petit peu. Ça peut faire rêver et... Mais attention. Attention. Tu veux réagir, Bastoc? Ouais, je voulais réagir sur les destinations un peu qu'on voit sur YouTube de certaines chaînes YouTube qui envoient du rêve. On n'a pas tous le budget pour partir aussi pêcher des gros brochets, des grosses truites. Donc ça reste vraiment des voyages, il faut que ça reste vraiment des destinations un peu rêvées, mais c'est pas accessible à tout le monde, et ça je tiens bien à le dire. Exactement, on a la Patagonie par exemple, tout au sud de l'Argentine, où vous avez des saumons, des paysages magnifiques. Bon, c'est un autre budget, mais c'est vraiment comme dit Bastoc, hein, c'est vraiment un voyage d'une vie. Organisé, Et c'est vrai que sur YouTube, faut pas que vous pensiez que c'est quelque chose de facile, parce que ça se prépare, ça coûte de l'argent. Faut se le permettre. Exactement. C'est intéressant d'en parler, et on trouvait ça intéressant de vous en parler aujourd'hui. Exactement. Et puis deuxième destination qui me vient en tête, alors plus pour les moucheurs, pour le coup, il y a la Slovénie, donc pays de l'Est, où ça se développe beaucoup. Depuis déjà beaucoup d'années, donc Nouvelle-Zélande pour aller beaucoup plus loin. C'est ça. Après, Slovénie plutôt pour les moucheurs où on a des ombres, etc. Des ombres de taille assez conséquentes. On a la truite marmorata, la truite de souche là-bas. On a une gestion des milieux aquatiques qui est totalement différente, que la France. Mais c'est ça. Donc peut-être, comme je disais tout à l'heure, s'en inspirer. C'est peut-être l'avenir aussi de voyages de pêche, parce qu'en France, on commence quand même à être assez restreint sur les populations piscicoles. C'est ça. Donc pour finir, peut-être qu'on peut se dire oui, il y a l'étranger. Mais déjà, on a également notre territoire français qui regorge de plein de choses, de belles choses, exactement. Et de belles truites, on a l'Auvergne, on a le Sud, on a... Pyrénées. Exactement. Donc, on a quand même la chance d'avoir un pays où c'est qu'il y a beaucoup de rivières, certes, qui souffrent. Donc justement, ça va être un petit peu le sujet qu'on va aborder donc, sur l'épisode suivant, qui va être un petit peu par rapport aux conditions difficiles que vivent nos truites actuellement. Et qui risque d'être compliqué aussi dans les années à venir. Et c'est là qu'on voulait un petit peu pencher sur la question. Donc, tu veux dire que, en fait, les gens
se projette un petit peu sur des voyages parce que notre niveau d'eau baisse, c'est ça? Ouais, ouais. Ça peut être l'occasion de refaire, ça peut être l'occasion de refaire une vidéo éventuellement. Ouais, voilà. Donc, un troisième épisode. Exactement. Donc ça va être hyper intéressant. On va bosser là-dessus. On va bosser là-dessus. Ouais. Il a raison, Mike. On va en parler. Tout ce qui est pollution, sécheresse. Voilà. Donc on va en parler. On vous donne rendez-vous dans 2 jours, vendredi. À 17h sur la chaîne Mike Struitt. Yes. Si ce concept-là vous parle, si vous avez envie de continuer un petit peu avec nous pour débattre, échanger en commentaire, parce que oui, on s'adresse à la caméra, mais on veut vos réactions aussi avec nous, et bah soyez là dans 2 jours. Yes. Ciao. Salut. Ciao. Bye.